tu ma ti fa ni ota na we ta mo sa to ki wa fa na me an direct anon na re fa fama zido ma to de direct da nge hambi assalamu alaikum ma fancy je vous salue ma France à la fin de l'oubli de mes barailles sur terre Junior, yes. Alaykoum salam. Alaga findou birim ben baray sotera, alaga kankanga hammer yara, alaga baraka sa muslim ya dine. La Guinée l'on est laï, mouga dine laï, mouga khalifaï. Mouga dine la kountigi, mbana kankan bira di loko loko. Mutagamma ngon fa de wuma ginya mane khafi ginya mane di khafi wa ala ma khandi wa won sa wa won sa o manga won sa o haraba ila allah taala khafira na hambo ino kure no mbokida wonda mange Ughara bana ghafira. Yo. Ui boko yukuma kanta fi. Adua ufanyi. Ala na mawugang abaraira. Utan loni lei na hii pirin. Ala bafi. Ala na mawugang abaraira. Ala habari kasaga ubonsi inu uhadi ifama. Ughai nyamane di yukuma dua uraba. Ughai nyamane ha boko. Ughai nyamane boko yukuma dua uraba. Iyo, lakini elu nilai. Boye mafika ya nakan wundera tu. Kui uwa nakan natu. Balo sotoro kura kwa nakan natu. Lakini elu nilai. Wundera wako wundera. Luku yuluko. Nang kui uwa mo wundera. Ala na mautagang. Ala kufatile ili fuma. Ala kasimayano sante ya fuma. Ala kamara nyo kifanyi fuma. Ala kandisa uka limani ya kuma. Ala hande sawo halimani ya kuma. Ala habarai fi uma uduwa ufanya na kayi boku idibe. Anengi boku hamwe sa stofira. Ala na mwugang habarai la ya rabbi ya rabbana. Anengi ambe mama di dumbu ya. Tai madi. Tia mwfis. Kumandali kamara. Jutni kuduzurei. Tu tiens mon fils, commandant Ali Kamara, militaire académicien. Tu as pris mon fils parce que juste tu as peur de lui. Oui. Ceux qui ont formé le coup d'État pour te tuer, c'était Para Maliki. Libère mon fils et tu libères tous les fils Soussou que vous avez arrêtés. Après le coup d'État formé par les officiers malinqués. Oui, il faut leur libérer. Ça, c'est un. Manula, vous faites d'un kenyé, aya gulubo babarika. Mouaké fin fin soussoudin fin fin namenana boulou, aya bebla. Nen ya fe ka faga be officier maliki manulante sen nte nte sen te ila nte ila ngilan nante se afu mama dinge ayimma kel dimma ayimma kel dimma kwali sarateni mama di fara Fula kama kela boka dima Mwaname ya Ndu nka Nkosi mfudundo Mamadile ki walu nkata Adimi nefana Mwamini ya maka Minaka faka Abara ulutu Uliyal yerela Uliyal la gini kayelela Meni kala masayala noko Meni ya febi ka faka Abara ulika nyindi Afoma madinye Ilai madinye Ifatoma kwa yu mmakeludia.
Après ça, je salue la nation guinéenne encore, ceci la Mbassi. La sortie de colonel Sadiba Koulibaly Kekoudouni. Sadiba Koulibaly Kekoudouni. Votre sortie, que vous allez démentir ce que j'ai dit, ce que j'ai dénoncé, et que la population malienne même vous déteste aujourd'hui, ils n'ont plus confiance à vous. Maintenant, même les marchandises qui quittent en Guinée aujourd'hui, direct sur Mali, sera complètement ouvert et fouillé. Oui. Ça n'est pas que le Mali. En te voyant même ce jour-là, sur la télé, la nation guinéenne peut comprendre que tu ne faisais que mentir. Les questions venant des journalistes tes réponses ne conforment même pas. Tu tremblais même. Sadiba Koulibaly Kekoudouni. Colonel Sadiba Koulibaly Kekoudouni. Bien. Vous les deux, Idi Amin, un homme périmé qui a le sang sale qui circule dans son corps, un homme malade, un homme fini. Même si vous prenez Général Abakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, vous le mettez dans les pots de fleurs, jardin, ça ne va pas embellir son visage, tellement qu'il est vilain. Idi Amin, tu nous traites des ignorants. Moi, je ne te réponds pas. Ce que Fils Damaro vous a dit, ça me suffit largement. Ça me va droit au cœur. Moi, je ne suis pas là à répondre. Mais les papiers dont vous avez pris au salon là-bas, rentrez avec ça, ce que tu vas présenter à Mamadi, à vous deux. Pourquoi tu n'as pas présenté ça à la nation guinéenne? Pourquoi tu as pris la fuite rapidement pour venir? Pourquoi tu as précipité ton retour, Idi Amin Kamara? Général Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, l'ennemi numéro premier, l'ennemi numéro un de la nation guinéenne, l'ennemi du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, toi, Idi Amin. Le premier jour que j'ai fait la sortie pour déclarer, pour dénoncer et dévoiler la cause de votre départ sur la France, j'ai dit, il y a une autre preuve qui va venir. Pourquoi le bateau là est rentré hier? Et puis votre bateau de drogue qui est en route pour venir à Conakry. Attendez, vous me connaissez, on a commencé encore. Je vais taper fort votre mur, Rambali. Je vais taper votre mur. Oui. Idi Amin, vous avez intérêt à annuler votre interview même. Les intellectuels, les fils dignes de la Guinée peuvent comprendre que vous étiez là, derrière les micros, à mentir comme
Kekuduni l'a fait. Sadima Koulibaly. Vous étiez prêts à inviter le grand problème sur notre terre. Pourquoi le bateau là est là-bas? Pourquoi la sécurité est renforcée là où le bateau se trouve? Qu'est-ce qui est dans le bateau? Le bateau en bas, en bas, en bas même. Qu'est-ce qui est là-bas? Qu'est-ce qui est là-bas? Ce que vous avez voulu comme ça inviter sur notre terre, c'est ce que le Burkina même cherche aujourd'hui à déterrer chez eux. Burkina cherche à déterrer la base militaire chez eux. Votre coopération conjointe ne fera qu'inviter des problèmes sur notre terre, inviter des djihadistes sur notre terre et déstabiliser le gouvernement malien juste pour votre intérêt. Maurice Anda, je vais te montrer un peu à la nation guinéenne. Tu dois enlever mon nom dans ta bouche sale là. Maurice Anda, tu dois enlever mon nom dans ta bouche. Ton travail pour moi, c'est de prendre, balayer et taper pour moi. Maurice Anda Kouyaté, toi et Lansana Kouyaté, votre travail, c'est ça pour moi. Mais pas pour t'asseoir et parler mal de moi. Il faut boucler ta bouche, Maurice Anda. Maurice Anda, toi, Maurice Anda, l'argent que tu as pris ici à l'ONU pour faire arrêter, pour faire reconstituer les enfants qui sont surcoincés, où est parti l'argent là? L'association mondiale qui donne l'argent pour ces cas-là, combien d'argent tu as pris avec eux? Tu veux que je vienne déchirer ton enveloppe pour la nation guinéenne pour que Mamadi même te connaisse qui tu es? Mais déjà, Alpha Condé, lui, il te connaît. Il te connaît. Alpha, là où il est, s'il regarde ma vidéo, là, il connaît ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, je te touche seulement si tu n'arrêtes pas Maurice Anda. Si tu n'arrêtes pas Maurice Anda, tu vas me connaître. Tu dois fermer ta bouche parce que tout ce qui s'est passé, tu en sais. Lansana Kouyaté fait partir. C'est vous préférez vendre notre chère Guinée juste pour votre intérêt. Parce que vous êtes des haineux. Vous êtes des méchants. Vous êtes des bonsaloux. Vous n'aimez pas mettre même votre propre lit là où vous dormez. Vous n'aimez pas. C'est vous qui ont mis Mamadi Doumbouya dans tout ça là. Parce que lui aussi, il est d'homme. Mamadi a d'homme. Oui. Mamadi a d'homme. Je vous le dis. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est d'arrêter. Votre plan a échoué. Moi-même, mon rôle, c'est de veiller sur la population. Je ne suis pas militante pour n'importe quel leader en Guinée. Vous me voyez? Je ne suis pas militante pour aucun parti leader. Moi, je me bats. Mon combat est un combat digne et salutaire, et un combat national. Voilà. Donc, vous allez laisser tomber ce que vous voulez faire à la Guinée. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter. Qu'est-ce que tu faisais, toi, Idi Amin, au salon là-bas? Encore, Kekuluni vient s'arrêter. Sadiba Koulibaly menteur, qu'il y a beaucoup de monde et pays qui sont invités là-bas. Vous avez vu le général et l'état-major français a publié un autre pays, si ce n'est pas la Guinée. Partout où les gens se la rentrent, c'est eux-mêmes qui invitent.
les djihadistes derrière lui pour qu'ils se maintiennent dans la situation là-bas. Oui, mais tout vos plans sera piétiné. Vous avez déjà échoué. Et puis Idi Amin, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis même pas là à te vouvoyer. Parce que tu m'as manqué de respect. Oui, je veux te traiter de tout, Idi Amin. Quand tu prends mon nom encore, tu donnes à tes marabouts, tes bonzos, tu vas me connaître. Demande ce qui est arrivé à El Béchir Diallo, le fou guéri là. Oui. Pourquoi il a eu, pourquoi il a fait. Et puis, maman dit, là, il m'a dit, trop d'accidents, sinon que ça s'arrête. Sinon, je vais détecter, je vais dévoiler encore des choses que la population va voir les réalités, les grains, les réalités dedans. Arrêtez de verser le sang des Guinéens par vos chétans système. Arrêtez. El Béchir partait ce jour-là pour boucler l'affaire du coup d'État. Et il est parti rentrer dans le taxi, derrière un taxi, et tuer combien de personnes? On n'avait pas sanctionné ce jeune-là. El Béchir Diallo. Mamadi n'a pas sanctionné El Béchir Diallo. Non. Il a giflé un officier. Mamadi, tu ne lui as pas sanctionné. Oui. Toi-même, Mamadi, qu'on t'a vu. Avant que tu arrives au pouvoir, tu prends ton prochain être humain, corps, tu le pousses de le camion, le pick-up jusqu'en bas. Toi, tu as le respect pour qui, Mamadi? Si vous n'arrêtez pas, je vais vous taper très bien. Il dit Amen. Je t'ai maintes fois dit. Que vous avez affaire avec une femme. Essayez encore votre deuxième plan. Vous savez, deux fois, moi je m'arrête derrière vous. Deux fois, je vous dévance. Votre deuxième plan là. Je vais me coster au mur jusqu'à vous aller arranger tout et je reviendrai encore déchiré. Je vous mets en garantie. Moi, je ne m'amuse pas à ma langue. Ce pays-là, ça sera sur les rails. Ça sera sur les rails. Tu t'encercles des fils soussous pour nous montrer que tu aimes les soussous. Il dit Amen. La fausseté, vous allez arrêter tout. Vous allez arrêter tout. Et puis, maman dit, les Coréens qui sont là-bas, qui fabriquent les groupes, jouent un groupe et envoient les gens pour gâter les pages des gens, arrêtez, sinon je vais tout dévoiler. Je vais tout dévoiler. Comment vous gâtez les pages des blogueurs? Moi, je suis là. Ma page n'est pas monétisée. Mais tout ce que vous êtes là-bas, vous faites là-bas, je vais venir écraser tout ici, montrer tout à la nation guinéenne. Vous avez trahi la Guinée. Vous avez trahi les pays voisins. Vous pensez que ce que vous faisiez les deux jours-là, vous cherchez à installer la Guinée, que la Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, tous les pays alliés sont au courant de tout. Et Idi Amin, et Chouzo, et Kekuluni, et comment dirais-je, et Saliba sont là, en train de démentir là, ça là. Le bateau n'est pas rentré hier.
mais vous êtes des indignes. Vous avez trahi à vos serments. Vous êtes des ennemis de notre terre. Vous êtes des ennemis de notre population guinéenne. Mais c'est Dieu qui va vous piétiner. Mamadi Doumbouya, remets-moi mes frères. Mamadi Doumbouya, remets-moi mes frères. Sinon, un autre dossier lourd. Si je prends le café noir, je vais éclater ça aussi. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Vous me connaissez très bien. On a commencé encore. Vous arrêtez, je me calme. Vous n'arrêtez pas, je serai là tous les jours face à vous. Personne ne peut me reculer. Aucun de vos plans ne peut me faire reculer. Tant que vous n'arrêtez pas vos bêtises, vos criminologies, vos jahiliyas, vos bonsaloulias, vous allez arrêter tout. Inch'Allah.